Bonne nouvelle à présent pour les usagers de la ligne Lille-Bruxelles. Les abonnés vont être indemnisés par la SNCF. Les 350 abonnés vont recevoir 200 euros sous forme de bon d'achat, ce qui représente tout de même 70 000 euros pour la SNCF. Ils dénonçaient, souvenez-vous, depuis plusieurs semaines des retards sur cette ligne. Appuyés par l'association Train Life, ils ont eu gain de cause. Mais un autre problème pèse maintenant sur le quotidien de ces usagers, c'est la suppression du train de 16h59. Retour donc sur cette histoire au micro de Baptiste Bic. Nous avons reçu donc un remboursement de 200 euros en bon d'achat pour l'ensemble des 350 abonnés, soit 70 000 euros. C'est une très bonne chose, ça couvre l'ensemble des problèmes qu'il y a eu sur la ligne durant le mois de janvier. Bon, il est évident que nous préférions avoir des trains à l'heure qu'un remboursement. C'est un premier pas. Cela dit, il ne faut pas oublier le vrai problème à l'heure actuelle, c'est la suppression du train de 16h59 qui est toujours d'actualité et qui malheureusement pèse énormément sur nos vies quotidiennes.